plus tout ça cher, le roi. Derlin, d'Irlanda, y'a pas de soleil, y'a pas de nana. Derlin, d'Irlanda, y'a de la bruine quand il pleut pas. Derlin, d'Irlanda, pousse la banane et moule kawa. Oui, c'est vrai que, non, en même temps, pousse la banane et moule kawa à Charleroi, c'est délicat parce qu'à une époque, il y avait un géo du club mec qui s'appelait Marc D. Dont je cite. Qui avait tendance, lui, il s'occupait des enfants, mais il avait tendance à pousser la banane et à moudre le kawa, et du coup, ça faisait pas marrer tout le monde. Là, Gilbert, il se dit merde. Merde. Pesantie, écoute. Non, c'est bon, t'inquiète pas, Storcy. Il est couché, il n'y a pas de match en Nouvelle-Zélande. La Belgique, c'est aussi la gastronomie. Enfin bon, on va pas en parler beaucoup. Je vois que ça va vite. Donc, les sportifs belges. Alors, moi, j'irai en parler des sportifs belges. C'est quand même beaucoup de vent. Les sportifs belges, c'est beaucoup de vent. C'est Van Niep, Van den Bor, Van Sternbergen, Van der Elst. Et puis surtout que quand tu mises la fierté de ton pays sur des hasards ou des brels, tu peux pas aller bien. Ah, pas mal. Messi qui a été critiqué. Parce que c'est vrai, il a raison, Powell. Messi, c'était un fourbe! Alors qu'en France, il y a un gardien qui s'appelle Courtois. Et la moindre des choses, ce serait d'être Courtois avec Courtois. L'autre, il tire alors que l'autre, il est pas prêt. Tu sais que moi, j'ai vu pire, hein. J'ai vu la dernière fois l'autre, il tire le péno. Le gardien il part à gauche, il tire à droite. Alors c'est Courtois ça. Parce que c'est sympa ça. Mais ça ne se fait pas, moi je trouve qu'il y a trop de. Des fois ils font des feintes de cœur. Une fois le type il fait passement la jambe. Il fait feinte qu'il tire à droite et tire à gauche. Moi je trouve que ça n'est pas Courtois. Et le monde du football n'en sort pas grandi, monsieur. On a eu quand même un super auditeur. Vous avez remarqué qu'il s'appelait Karim, non? Et le mec il avait l'accent de banlieue belge. C'était wash my girl, dis donc, t'as vu la famille, ça va bien. Alors, tape-moi un sec, alors. Ça, j'avais jamais entendu, moi. C'est vachement bien, putain. Et du coup, le mec te fait pas peur. Et vas-y, fraîchement, balance l'oseille, là, ou je vais te péter ta rhum. Tout d'un coup, sympa. Du coup, ça passe. Alors, au début, j'arrivais pas à cerner. C'est Daniel qui m'a aidé. Il m'a dit, quand il a dit « Denazer !» Là, j'ai compris. Je le caricature à peine. C'est très léger. Hein. Wesh, ma gueule, il était encore là. T'as vu, hein, l'envers là, comment il s'appelle le joueur dont tu nous as parlé là? Wesh, ma la balade, hein. Là, tu lui proposes des vacances au ski, il en avait rien à foutre, ils vont les faire là, mais là. Qu'est-ce que j'aille faire au ski là, me bronzer le cul là sur les pistes noires, alors que je peux tranquille regarder des matchs de champion d'Arbel Racing Genk contre la Gantoise. Eh, franchement, là, toi-même, tu sais, la famille tranquille, bien pas la baisse. Ça va, wesh, ma gueule. Tape-moi un sec, frérot. Wesh, cousin. Ça va bien? Ouais, vas-y, fais des tours de teufferie, là. Oh, là, quelle honte. Le raciste algéro-belge, c'est ça. Pauvre Karim. Alors, en plus, Karim, c'est un fidèle de l'after, il est super sympa. On l'a déjà vu plein de fois. Cool. Ben ouais, à chaque fois il nous parle d'Eden Hazard, mais bon. Eden Hazard. Toi-même, tu sais qu'il a très faim. C'est fini pour ce soir, merci les gars. C'est bon.